Bonjour chers internautes, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour vous montrer comment faire un cache-prise de courant pour les enfants pour moins de 0 euros avec de la récupération. Donc nous allons récupérer, vous savez, ce qu'on trouve, les protections pour les ordinateurs, pour protéger les ordinateurs dans les cartons. Donc c'est du polystyrène, une espèce de polystyrène, c'est pas du polystyrène, c'est du plastique expansé, donc de la mousse. C'est une espèce de mousse. Donc je vais vous montrer comment on fait un cache-prise avec cette mousse-là qu'on trouve dans les cartons de l'ordinateur. Donc, tout d'abord, on arrache un morceau de cette mousse. On prend un cutter. On va venir diviser l'épaisseur parce que c'est bien trop épais. Donc on coupe. On fait bien tout le tour. On va l'ouvrir. Agrandir ceci. Voilà, donc on se retrouve avec les deux épaisseurs. Donc j'ai une prise de courant qui est assez épaisse. Je vais prendre un vieux coquet. Je vais me mettre sur une planche en plastique. Je prends mon coquet, je vais passer autour avec ma lame de cutter. Même si c'est pas net, c'est pas grave, c'est presque mieux parce que comme ça va bien adhérer dans la prise de courant. Et après, il y aura juste à la retirer avec un petit couteau, on peut la retirer facilement et les enfants ne pourront pas l'enlever. Donc là, il faut y aller un peu plus profondément. Voilà. Une chose à peu près comme ça. Donc on va l'insérer dans la prise de courant. Facilement. Voilà. Donc là, je vais l'enlever, je vais barber les bords. Je vais barber les bords pour que ce soit quand même bien lisse. Voilà. On laisse les gros bouts. Et voilà. Et voilà. Pour moins de. Bah de rien du tout, juste en ayant acheté votre ordinateur, vous pouvez fabriquer aisément ce protège prise de courant. Et après, vous pouvez voir, vous pouvez très bien le repasser un petit coup de cutter comme ça par-dessus pour que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait aucune accroche. Et là, vous avez vraiment un cache prise de courant pour 0 euros. Bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, likez si vous avez aimé et à la prochaine fois. Au revoir.